Bonjour, j'aimerais bien faire un placement durable en accord avec mes convictions. Je ne sais pas comment m'y prendre et à qui je dois m'adresser. Investissement socialement responsable, fonds verts, la finance durable peut prendre plusieurs formes, mais l'objectif reste le même, investir dans des entreprises soucieuses du développement durable. Si vous souhaitez donner du sens à votre épargne, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller financier habituel. Il vous aidera à choisir un ou plusieurs placements en accord avec vos valeurs et vos besoins. Concrètement, votre conseiller vous posera des questions pour savoir, par exemple, si vous souhaitez que votre épargne finance des activités respectueuses de l'environnement. Avant de le rencontrer, réfléchissez aux sujets qui vous tiennent à cœur. Par exemple, acceptez-vous qu'une partie de votre argent soit investie dans le secteur des énergies fossiles ? Ou au contraire, préférez-vous privilégier les énergies renouvelables ? Si votre conseiller ne dispose pas de placements en accord avec vos préférences, il vous proposera de les adapter afin de vous recommander d'autres placements. Avant d'investir dans un placement durable, vérifiez qu'il correspond bien à vos attentes en questionnant votre conseiller et en lisant la documentation qu'il vous remet. Consulter la documentation réglementaire d'un placement est essentiel. Pour les placements collectifs comme les fonds ICICAV, il s'agira du document d'information clé, le DIC. Il présente les principales caractéristiques du placement et sa stratégie en matière de durabilité. Certains fonds durables bénéficient des labels ISR ou Greenfin, ce qui peut vous aider à les identifier. Si, au contraire, vous investissez directement dans des actions de sociétés cotées, consultez leur déclaration de performance extra-financière, le DPEF, qui contient des informations sur les enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux de l'entreprise, ainsi que sur son mode de gouvernance. Vous trouverez ce document sur le site de la société cotée. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr et à très bientôt pour un nouveau ConsoMag.